Ça Voilà. avance sur ton F1 et Voilà. Itaru. Et le directeur, il était complice de ça. Et donc, Oui, ils ont, c'est et quand ils ont arrêté ces bandits-là, ils sont venus maintenant arrêter le directeur. Et C'est ça. c'est comme ça, le problème est Maintenant, on venu va les jusqu'à cette dénoncer. partie. Et... Cette Gendarmerie Maintenant, on va maintenant les enquête dénoncer là-bas. et Moi, maintenant, on j'ai va vu ça à la continuer télé. les Regarde la lettres. flamme, Ben. On va les Maintenant, dénoncer. venons à nos moutons. Voilà. Aujourd'hui, simple Gawa, Moutana, Belgique, tu sais que ici, c'est la capitale de l'Union européenne. Tu connais ça quand même. L'apaisement total, on est assez intelligent. Voilà. C'est la capitale de Il l'OTAN. m'a revenu. Tu Fiston, reconnais quand même que Bruxelles, c'est la fiston ton capitale. micro. Moi, Okay. je veux que quand on parle, quand vous comparez, excuse-moi, Korka, excuse-moi, Mais tu sais que simple Gawa, la quand vous Guinée comparez, aujourd'hui. Korka, écoute-moi, Non, quand je vous compare pas les comparez deux pays, la s'il vous plaît. Belgique, quand vous comparez la Belgique, la France, les États-Unis, n'importe quel pays à la Guinée, moi, je trouve que c'est néant, en fait. Pourquoi? Parce que avant qu'ils ne deviennent Belgique, pour que toi, tu viennes là-bas, pour t'installer là-bas, ils ont passé par beaucoup de choses, en fait. Tu vois un peu? Donc parlons de la Guinée, quoi. Arrête des comparaisons là. Parlons de la Guinée. Merci. C'est néant, en fait. Pourquoi? Parce que avant qu'ils ne deviennent Belgique, pour que toi tu viennes là-bas, parlons de la Guinée, quoi. Arrête des. Ouvre ton micro, s'il te plaît. Oui, je suis là. Je t'écoute. Vas-y. Ok. Tu sais, en fait, et là, tout ce qu'on est en train de dire, on se chamaille, tout ça, là, tu vois. Mais en fait, moi, là aujourd'hui, sincèrement, je suis touché en fait, tu vois. Mais Oui. dès que vous parlez, la façon dont que vous avez parlé des Funakenmangue ou Biloba, en fait, moi, ça me touche. Vous savez, je me mets, moi, j'essaie de. Ces gens-là, c'est des gens de la société civile. Leur Eux combat. sont qui? Eux Non, sont qui? attendez, attendez, s'il vous plaît, Ils laissez-moi sont finir. qui? Comment ça? Eux Laissez-moi sont finir. qui? Laissez-moi C'est eux qui finir. nourrissent les gens en Guinée? Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Bon, maintenant. Que vous vouliez ou non, ces gens-là, ils ont apporté Il y a des beaucoup de bâtiments choses aux neufs. Guinéens Donc, depuis vous qu'ils ont voyez le commencé gros les problème. combats. Parce que CNRD, tu Laissez-moi n'amènes pas finir, le s'il vous sujet. plaît. Parce que dès qu'on commence à expliquer, Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Non, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Parce qu'en on va fait. démonter Continue, l'insécurité. Moi, je voulais juste dire à Simple Gawa, Simple Gawa, continue. Bruxelles, la Belgique, précisément Bruxelles, c'est la capitale de l'Union européenne. Donc, tous les pays européens réunis, c'est la capitale. Ça, c'est un. De deux, c'est la capitale de l'OTAN. Trois, c'est Bruxelles Ça ville. ne va pas C'est ce mal. que je suis en train de te dire. Attends, c'est ce que je suis en train de te dire. Tu sais qu'au ministère des Affaires étrangères ici, là où il y a la ministre Hajal Habib, la Guinée fait partie des pays à risque. Quand tu pars aux affaires étrangères, c'est affiché. Je ne sais pas, si, je connais pas les Les États-Unis informations ici. là, tu peux nous envoyer quand même, si tu as les informations Mais là. mon frère, pourquoi je vais t'envoyer? Tape sur le site du truc, tu regardes les pays à risque. Dans fou, dans fou, dans fou, Regarde dans les pays, fou. la Guinée, cité Laissons-le parmi les pays parler, à risque, laissons-le parler, s'il n'est vous plaît. pas Ok, continue. s'aventurer. Les pays à risque. Donc, voilà. Ça c'est un. De deux, l'insécurité, le commerçant qu'on a tué là, tellement l'insécurité, ce n'est même pas un seul commerçant. Deux, l'autre, ils sont venus, ils ont saccagé celui, heureusement, le gars, il n'était pas là. Et le vieux qu'on a tué là. Ça c'est l'insécurité avec un pouvoir militaire. Normalement, quand il y a un pouvoir militaire, c'est censé être sécurisé. C'est difficile. Mais Ça, est-ce c'est que c'est le un gouvernement qui l'a troisième point. tué? Quatrième point, quand il y Donc, avait les voitures, Korka, attends, je peux Korka, concéder à la tu mairie vis aux de me dire, États-Unis, tu vis ouais, on en peut Europe, hein? utiliser les tenues Non, attends, tu de vis en Europe, Korka, hein? force Tu vis en spéciale, Belgique. on peut. Mais la Korka, voiture aussi, la tu vis voiture en de la Belgique. gendarmerie aussi. La Korka, voiture de la attends, s'il te gendarmerie aussi, plaît. ça Ok, aussi, on peut falsifier Korka, ça. mais il faut attendre un autre avis aussi. Korka, toi, tu penses que. Parce que c'est un régime militaire. Mais en Europe. En Europe. Où se trouve la présence des forces de sécurité, des forces de défense de sécurité, comparativement à la Guinée? Pas bien compris ta question. Entre l'Europe et la Guinée, où se trouve la présence des forces de sécurité et de défense? Entre l'Europe et la Guinée. Oui, je ne veux même pas dire Bah, Mexicaine, je dis tu l'Europe. peux pas comparer les deux. Moi, je te Réponds parle à ma seulement question de la simplement. Guinée. Réponds à ma question. Réponds simplement à ma question. Mais c'est l'Europe. Parce que Très c'est bien. les Européens qui vont Maintenant, former les c'est militaires l'Europe, hein? là. C'est l'Europe, hein? Et bon, Oui, bien vous sûr. écoutez, hein? Écoutez ma question. C'est l'Europe. Oui. L'Europe et la Guinée. Où il y a beaucoup plus de crimes? Où il y a beaucoup de sécurité. C'est en Beaucoup Europe. plus de crimes. Beaucoup plus de Le crimes. crime.
C'est à Guinée. Non, mais je vois que tu es. L'Europe, c'est grand. La Guinée, c'est un pays. Attention. Je te jure. Mon frère, vous voyez ça? Là où je vis, Voilà, l'Europe, c'est grand. Là où je suis aux États-Unis. Il y a plus de pays aux États-Unis. Parce que c'est plus grand. C'est normal. Voilà. Non, mais les États-Unis et l'Europe, tu ne peux pas comparer. Je disais qu'aux États-Unis, si tu restes à la maison, tu ne travailles pas, tu regardes les chaînes locales toute la journée, tu vas prendre tes bagages et rentrer. Mais c'est clair, on connaît la réalité, c'est clair. C'est pourquoi on t'a oué, vous n'avez pas son J'aurais bien aimé répondre à ta question concernant tout ce qui a été fait du côté de la sécurité et tout ce qui est en train d'être fait. Mais on ne peut pas aller parce qu'on ne permet pas de répondre. Tu vois? Sinon, moi, si tu me permets, je peux te répondre. Je vais être clair avec toi. Ok? Je veux qu'il organise des élections. Il y a comme un mort aujourd'hui. S'il organise des élections, je vais l'aider. Où tu es? Il y a comme un mort aujourd'hui et hier. Il y a comme un mort. États-Unis. Non, c'est un des bokeh. Il y a un renseignement. Il y a comme un mort à bokeh aujourd'hui. Ah, nous avons ça, c'est mari. Voilà, ils sont comme ça. Il n'y a pas de sécurité. C'est comme si. Allô, on a le bilan abandonné. Bokeh, c'est calme. Ok, ce que vous avez dit tout à l'heure, moi je suis d'accord avec vous. Hein. Pour les élections, je suis d'accord avec vous. On est prêt à organiser les élections. Mais vous savez c'est quoi en fait? Moi ce que je demande, c'est très simple. Moi je suis petit dans l'affaire. S'il vous plaît, dites aux grands commerçants là, tous ceux qui ont des moyens là, de venir nous aider à organiser les élections, s'il vous plaît. C'est ça! Avec les opposants mais là. Comment on peut venir Fiston, il y a trois mois et demi, il y a un militant du BFDJ qui a été pris à la frontière entre la Guinée et le Sénégal. J'ai entendu cette histoire, Marie. 397 000 euros, taxi Bouma. 397 000 euros pour Togo. Après, c'est les gens qui partent d'élection. Pourtant, il est de quel village? Lamine, il est de quel village? Il est en province de l'Abbé. Il est en province de l'Abbé. Tu vois, c'est un peu gawa. Quand il a été pris, regardez, Christophe, quand il a été pris, après, il a demandé, mais là, tout cet argent, c'est pourquoi? Il s'appelle Alpha Bakar Diallo. Bon, quand je dis ça, les gens vont passer autrement. Tu vois, donc, il dit non, mon grand mon patron Alpha Li, il est au Sénégal. Il a une société, c'est pour payer ses employés. Ils ont dit bon, d'accord, très bien. À la gendarmerie, écoutez, il l'a amené à la police. Mm-hmm. Après, ils ont demandé le numéro de Alpha Li.
Ils ont appelé Al-Fali, ils disent, bon, venez ici. Il est venu. Quel est le nom de votre société? Il a dit, l'abbé. Il a donné un faux nom. Il a dit Barthéguine Barthéguine est importation. Donc il dit Barthéguine est importation. Ah bon, mais t'as la Guinée-Gérie. Il dit Barthéguine est importation. Après, ils ont une liste à la frontière. Ils ont regardé, il n'y a pas Barthéguine. Ils disent, mais après, non, c'est pour payer mes employés. Ils ont demandé ça, non. Chérie, tu vois, chérie, tu as 17 000 euros. Tu parles de quoi? De celui qu'on avait chopé avec les 2 euros, là? Oui, 397 euros. Barthéguine, ton mari, il a parlé, il n'a qu'à nous laisser parler à nous d'Anfo. Nous aussi, on va démontrer. Attends, s'il vous plaît. Nous, élections organisées. Chérie, j'adore la couleur jaune sur toi. J'adore la couleur jaune. J'adore la couleur jaune sur toi, chérie. Non, parce qu'il faut nous parler aussi, parce que tu as parlé du commerçant de l'UFDG là. Je suis d'accord, je te le concède. Nathan, il est fou, il est qui? Maintenant, arrête, il est fou, il est caché, 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 il a menti sur l'argent. Qu'est-ce que tu peux me dire? Il a menti. Qui a menti? Coca. Mais, M. Gallo, le président de l'UFDG là, il a menti? Non, moi je parle pas de l'UFDG, ça c'est pas mon problème. Moi tu sais, moi si tu ferais voir un homme à l'UFDG, Monsieur Lamine Condé, Monsieur Lamine Condé, moi je parle du CNN. Monsieur Lamine Condé, tu as organisé des mais conditions qu'elle n'a pas dans le CNN. Monsieur Lamine Condé, vous m'écoutez ou pas? Voilà, je veux en fait poser une question là, qui n'a rien à voir avec l'actualité du jour là, ok? Souvent, il y a des gens qui Fiston, moi je pose la question à la mine. Ma question à moi de la Banque Centrale. L'affaire d'argent là qui s'est passée. La mine n'a qu'à nous expliquer ça. Il va nous dire c'est faux. Namagarou, n'a foulé, ben, n'a sur aux Indes, frontières. L'argent du contribuable guinéen, une banque centrale, c'est comme si c'était toi. Non, non, le commerçant, moi j'ai pas dit foulé, non, le commerçant, mais il t'a appelé, il fallait. Donc c'est foulé, non, ça, moi ça me dérange pas. Il est Diallo, si c'est Kaba, c'est Kaba. Tu vois, les choses comme ça. Oui, il perturbe, mais il est perturbé. Moi, Kaba, non, ma question, ça Lamine, moi si tu lis mon nom directement, tu sens que je suis faux, je suis peu. Tu comprends directement, tu es malin, tu es guinéen. Monsieur Lamine, Prestige. Mais il n'a plaisanté, il n'a répondu Feiki. Ok. Il n'y a pas de sécurité en Guinée, on le connaît, c'est tout. Ça date aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ma question, c'est ça. Et tout le monde dit. Ouais,
D'Amfou. Ah, on avait dit, attention, non, est-ce que ça date aujourd'hui? D'Amfou. Oui. D'Amfou. Et tout le matin, à fin, là. Oui. Maman dit, Falore, le 5 septembre. A promesse une réfie, Mouma. Est-ce que la Guinée n'a été en Amérique, la Maral ou Yétanama, à partir de ses promesses du 5 septembre? Ok, tu peux me les citer. Tu peux me les citer, s'il te plaît. Je te réponds. Honnêtement. Est-ce que la Guinée n'a été en Amérique? On parle de la démocratie. On a situation en Kouikito. Est-ce que nous sommes en démocratie? Qu'est-ce qu'on appelle la démocratie? Est-ce que nous sommes en démocratie? Qu'est-ce qu'on appelle la démocratie? Et tout le monde dit. Du peuple, rien Merci. Que pour le peuple. Ouais, bah, son et le pouvoir, rien que pour le peuple. Un pays, c'est deux personnes. Qu'est-ce qu'on appelle la démocratie? Il y a pas de doudou, pas de marron. Donc, la démocratie, d'abord étymologiquement, je te prends, je commence là-bas. Démos égale peuple. Kratos égale pouvoir. Ça, c'est le pouvoir du peuple. Pour le peuple. C'est-à-dire, par le peuple, c'est-à-dire, d'après Abraham Lincoln. Voilà. Oui. Ok. Est-ce que toi, Prestige, tu as respecté cette démocratie-là? Toi, Prestige, tu as respecté cette démocratie-là? Attends, suis-moi. Il va me rendre un micro, madame, la mine, à nous, ça vous fait pas. Bon, on va voir, oui, la mère. Ok, on a fait le coup. Je pense qu'il a fini. D'accord, il a coupé. On ne parle pas de démocratie. Il va me rendre un micro, la mine, quelqu'un peut répliquer entre vous. On ne peut pas parler de démocratie sans parler de la liberté d'expression. Ok. Est-ce que tel est le cas en Guinée? Non, attends. Monsieur Prestige, pour répondre à votre question, la liberté d'expression est respectée en Guinée. C'est pourquoi aujourd'hui en Guinée, il y a plusieurs médias qui exercent leur métier. Les médias n'ont pas respecté leur. Il n'y a pas qu'un seul média qui est permis en Guinée, mais plusieurs médias. Attention, ils n'ont pas quoi? Si ce n'est pas une partie de la Guinée qui ont sorti danser le 5 septembre, est-ce que les Guinéens ont allé voter? Il a encouragé à la Guinée à rétablir l'ordre constitutionnellement. Moi, je vous donne
Bella, moi j'avais une question pour toi. Bella, étant Bella d'Arabo, voilà. Bella, est-ce que Kabi Mamadi Doumbouya, Alpha Condé, deux fois né, Kabi Alpha Condé, 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 Alpha
Mamadi Doumbouya n'a pas dit Ngatagi. À Alpha Condé tourné à Yaffir, il n'a deux fois seulement dans sa vie. Oui. Et la question, Bilamba, que tu as dit? Nare, Mamadi Doumbouya n'a pas dit Ngatagi. À Alpha Condé tourné deux fois seulement dans sa vie. Il ne va pas la démentir. Non, non, la mine, elle n'a pas la démentir. Attends, Alpha Condé tourné. Il n'a pas la démentir. Mais c'est là, La question posée à Nyamboumba, à ma taouen, à Ramfalari, est-ce qu'on doit la prendre au sérieux? Bon, et ma question c'est Boumba. Et on a la Kayabi Mounani, alors oncle Lamine Alunga a répondu, Mayabi Mounani là, et voilà Yamane a répondu, Mayabi. Asma, Asma est tout le temps hors sujet. Non, il vient attaquer Bella. Il vient tout le temps attaquer Bella. Il est hors sujet. Asma est toujours hors sujet. Ako si porter un des gamins est tellement et Rafa joueur qui est moi tout équipe qui si porter un défense si gamins est tellement et Fanfa équipe Billy n'a supporté dit et va comprendre donc madame faut en comprendre dans vos noms belles et en sens qui est n'a moi et va comprendre c'est à dire c'est un fils pour les gamins. Non, je l'attaque pas. Bien là, c'est un isma. Je ne considère pas bien comme un isma. Mais tu sais, moi, tu sais, ce que je veux qu'on parle aujourd'hui, ce que je veux qu'on parle aujourd'hui, moi, je veux qu'on vous parle, moi, je veux qu'on félicite le monsieur là, comment il s'appelle? Il y a un monsieur qui a fait. Il y a un monsieur, Asma, j'ai une information pour toi. Le Dawa n'était pas du bord là. Non, il y a un monsieur en Guinée actuellement qui est en train de contribuer aussi du développement de la Guinée. Donc, nous avons un monsieur qui a fait faire tout. Toto, nous avons un monsieur qui a fait la Guinée. Nous avons un monsieur qui a fait la Guinée. Nous avons un
Motangai Munana, monsieur Ramon, Motangana, Falafis, il parle de ses plaisirs, des bananes. Est-ce que Mamadi a un rapport de tout le monde? La jeunesse sera tentant. La jeunesse sera tentant. Simple Gawa, c'est un gala, c'est un homme qui a fait mes vies. Voilà. Bon, Simple Gawa, on t'écoute. Toi, on t'écoute. Simple Gawa, il a vraiment de la vision. Oui. Moi, je voulais dire aujourd'hui, il faut féliciter, n'est-ce pas, monsieur Sonoko et un monsieur aussi qui est là, qui aide beaucoup la Guinée. Le Premier ministre aujourd'hui a effectué un déplacement. C'est dans le cadre des relances des unités industrielles pour la mobilisation des acteurs, pour l'évaluation des travaux de Sanoya et aussi pour les entrepôts pour des denrées de première nécessité et tout. Donc, allant dans ce sens, Madame Diaka Sidibé, et M. Amadou Ouriba ont clôturé aujourd'hui leur visite par la visite de l'usine, l'ex-usine de textile de Sanoya. Donc, dans le cadre des évaluations des projets qui sont en cours pour soutenir afin de relancer cela, et qui est non seulement un site qui est désormais attribué aux entreprises de Sobragui et Sonoko, pour dynamiser le secteur industriel. Et aussi, il y a un monsieur Peul de Al-Hadji. Al-Hadji. En fait, quand on a fait Peul, c'est pas juste pour être misé, c'est pour dire qu'en fait, les gens là. Voilà, monsieur Al-Hadji Amadou Sadio Barry, d'accord, dans son initiative aussi pour augmenter la capacité de stockage national, il a construit des entrepôts de 40 000 tonnes allant dans ce sens pour aider la Guinée, comme je vous ai dit, les arrêts de première nécessité, les entrepôts pour des voitures et tout ceci. Donc aujourd'hui, on a pu visiter cela. Donc c'est la personne à féliciter parce que Oui, effectivement. Non seulement ces personnes-là, et la Guinée qui est mal vivée parce qu'on a un problème en Guinée d'emploi. Donc Toto, jeune et Bubinana, Mire et Walde Stoffé à travers ces deux grandes entreprises. Donc la Guinée qui est bien farima. Est-ce qu'on peut investir dans un pays? Voilà, on peut investir. Dans quoi on peut investir?
Pourquoi il y a des grandes sociétés minières en Guinée? Pourquoi les gens là ils n'ont pas rentré? Parce qu'il y a l'insécurité, y compris la CBG, Rio Tinto, GAC. Les gens là, pourquoi les gens là ils n'ont pas rentré? Parce qu'il y a l'insécurité en Guinée totale. Ah non, il m'a posé la question de question, Guetera. Ils ne sont pas rentrés. Non. Il m'a posé la question. Ah. Il y a la CBG. Est-ce que l'instabilité dans un pays, on peut investir dans un pays? Non, non, non. L'insécurité, du moins, est-ce que tu peux investir? Ah bon, quand même, la question posée, il y a l'insécurité. Non. Voilà. Qu'il me laisse reposer la question. J'ai dit, je répète encore, j'ai dit. Est-ce qu'on peut investir dans un pays où on n'a pas la sécurité d'investissement? C'est pas ça que tu as dit, non? Je prends des exemples. Quand tu prends la CBG, c'est une des plus grandes entreprises en Guinée, parce que c'est des expatriés qui travaillent là-bas. Rio Tinto, Rio Tinto, GAC, SAG, c'est des expatriés qui travaillent là-bas. Pourquoi ces gens-là, ils n'ont pas rentré? Parce qu'il y a l'insécurité totale en Guinée. Est-ce que dans un pays, l'insécurité est favorable à quoi? Est-ce qu'à la Guinée, là, Donner des exemples. Parce que c'est des grandes entreprises. Rio Tinto, SAG, GAC. C'est des expatriés qui travaillent là-bas. Mais pourquoi ces messieurs-là, ces gens-là, ils n'ont pas rentré? Parce qu'il y a l'insécurité totale en Guinée. Pourquoi ces gens-là ne sont pas rentrés? Ils ne sont pas partis chez eux. Parce qu'il n'y a pas l'insécurité totale. Mais donc, vous savez ce que tu es en train de dire là. Le Congo, il y a la guerre, non? Mais les mines, ça travaille.
mini nan na ki ala ala awa bari awa bari le mini travail Voilà, tu as posé la question concernant l'insécurité en Guinée, non? Réponds ta question. Non, il n'a même pas mis la Guinée dans sa question. Il a dit quoi? Moi, je n'ai pas même dit la Guinée. Je dis, est-ce que dans un pays... Oui. Attends. Est-ce que dans un pays, on peut investir sans avoir une sécurité d'investissement? D'accord. Alors, pour commencer, on ne peut pas investir dans un pays sans qu'il y ait de sécurité d'investissement. Parce que l'investisseur part d'abord sur ça. Si les intérêts d'un investisseur n'est pas garanti dans un pays, ça sert à quoi de venir investir là-bas? Mais quand vous parlez de sécurité, si tu étais mon élève, j'allais te donner 20 sur 20. Donc du coup, je disais ceci, que la sécurité, parce que vous avez parlé de la sécurité financière, vous n'avez pas parlé d'autres sécurités. Et quand on parle de sécurité financière, on veut parler des revenus, des retombées, et aussi la sauvegarde ou la sécurité. Non, il a reformé, je pense bien. Sinon, il a parlé de l'insécurité. Après, la question qu'il m'a posée, il m'a dit sécurité financière. Voilà, donc je disais que d'après la question que Korka a dit tout à l'heure, l'insécurité financière, j'ai dit que dans un pays, aucune entreprise ou une personne ou un individu ne peut investir dans un pays sans qu'il y ait la sécurité d'abord financière. Quand on parle de sécurité financière, on veut parler réellement de son intérêt. Parce que tu ne veux pas aller dire que ouais, tu vas établir une entreprise en Guinée ou bien dans le pays en France, par exemple, et que tes intérêts sont voués à l'échec, ou bien tes intérêts ne sont pas sécurisés. Donc, ça ne sert à rien d'aller là-bas. Maintenant, si vous parlez de la sécurité dans toute sa globalité, il peut ne pas y avoir de sécurité dans toute sa globalité, mais par après, les investisseurs là ont aussi une sécurité qui est là, parce qu'il y a des entreprises qui sont là, qui sont sous la protection de l'État. Et la sécurité qui est mise en place pour sécuriser ces entreprises est différente de la sécurité que vous parlez dans sa globalité. Quand on parle d'insécurité, c'est-à-dire des kidnappings, ou bien des tueries, ou des coupeurs de route, ou bien tout ceci, mais il y a des entreprises qui ne sont pas dans ça. Par exemple, quand vous parlez de la CBG, CBG, ils travaillent dans une zone donnée, et ils sont juste là-bas. Et quand il y a un mouvement ou un déplacement, ils savent comment faire. Il y a une maison où c'est pas un département qui s'occupe de ça, qui est là comme qualité, santé, sécurité de la population. Tout ce qui concerne non seulement la production et aussi l'exploitation et la commercialisation. Tout. Merci. Bon, Lamine. Simple grand gawa, il faut une béton à Belgique, la gamme. Insécurité, mon à Belgique. Lamine, non, on fait ça. Asma Barawa, Lamine Kondé, Bela. Insécurité, mon à Dieu. Et moi, on va la reine en France. Et ton à France, la gamme, à Birim, Rémi, boum, à l'or, 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 à
France, Voilà, parce que Asma, Asma nous l'a guiné matora. Alors il a guiné dragira, Asma il a mis. C'est un faux débat. Est-ce que Maran a raté le débat avec en tout cas, je suis pas votre sujet. On a fini le sujet. Il faut le sujet. Corca, est-ce que tu sais Corca, Corca,
Porca, la question que tu es en train de poser, si c'était relatif comment on appelle, à la Guinée, est-ce que tu sais que la Guinée est actuellement le pays le plus producteur? Non, moi je parle en général, moi je parle pas seulement de la Guinée. Parce que si c'est la Guinée, en fait, comme vous dites, la Guinée actuellement... La Guinée offre des opportunités que d'investissement dans un pays. On va rester dans le débat. Parce que Mirinde rata Korka, je voulais vous dire si toutes les questions que vous êtes en train de poser concernant l'insécurité, si c'est pour donner sens à l'insécurité, si c'est pour aller parler de l'insécurité de la Guinée, du côté du climat d'investissement, moi je vais dire que c'est pas vrai, hein, parce qu'en Guinée actuellement, la Guinée est le meilleur endroit pour l'investissement actuellement. Merci. Qui est la minongue? Mais vous savez, quand Sepp doit parler, il faut l'écouter. Et puis, il dit que la Guinée est le meilleur endroit où il faut investir. Mais posez-lui la question, on lui dit, il parle de son pays là. Mais au même moment, chaque année, il y a 50 entrepreneurs, les meilleurs, qui sont récompensés. Au même moment, Diedi, allons-y, on t'écoute, mais on a interrompu, c'est son tour. Non, voilà, ça a vérifié sur le terrain, j'ai fait un GPS. Ça a vérifié, quand quelqu'un donne une information, il faut vérifier sur le terrain. Mais vous étiez assis à New York, en Belgique, c'est pas ça. Chaque année, il y a cette cérémonie-là pour récompenser les 50 meilleurs. Entrepreneur en Guinée. Aujourd'hui, la réforme a commencé avec Alpha Condé. Aujourd'hui, la Guinée fait partie des pays où il est facile de créer son entreprise, où il y a une garantie. Maintenant, dites-moi, et vous parlez de sécurité financière. D'ailleurs, quand on parle de sécurité financière, moi je parle de finances, mais c'est personnel, mais aussi ça concerne les entreprises. Comment il faut investir? Pour avoir une sécurité par rapport à son argent, pas par rapport au Kalachnikov. Non. Voilà, comment garantir une progression, une bonne assise dans son économie ou dans son entreprise. Ce qui est différent de la sécurité, le climat de sécurité dans le pays, c'est différent. Pour m'avoir un team, c'est pourquoi je dis souvent que l'école est nécessaire. Maintenant, par rapport à la sécurité de notre pays, moi je pose la question. Depuis le 5 septembre 2021 à maintenant, quelle société a fermé en Guinée pour cause d'insécurité? On vous pose la question. Mais si jusqu'à présent, toutes les sociétés sous Alpha Condé sont toujours en Guinée, il y a le port qui est là, et partout les mines, ainsi de suite. Et aujourd'hui, là, ça se renforce dans les mines et dans l'agriculture. Beaucoup de nos compatriotes sont rentrés. Beaucoup. Monsieur Gallo est un exemple qui est à Mamou. Il est rentré de Togo, qui a passé 22 ans, contrairement à Asma et à moi, qui ont passé des années aux États-Unis sans rentrer. Contrairement à Korka, qui a préféré épouser une blanche, il y a 25 ans, il préfère saboter son pays devant la Belge. Au même moment, M. Gallo est à Mamou, il emploie plus de 15 femmes. Il emploie des femmes de la passeport de la retirer, vient prendre des marchandises et aller couler sur dans ces régions-là. Et Sonoko, grand Sonoko. Il y a M. Sonoko. Voilà, donc il y a tout ça. M. Gallo vous demande de rentrer. Il a de l'emploi à Mamou. Il y a plus d'une quinzaine de villages qui vivent, qui dépendent de la sueur de son front. M. Gallo est une fierté aujourd'hui, lui, de rentrer. Hein. Il est rentré en 2022, 36 millions. Simplement 36 millions dépensés. Il a récolté 150 millions la première année, 2022. Et il faut parler aussi de Mme Fatoumata aussi, celle qui est envoyée dans l'agriculture. Simple Gawa. Lamine, vous avez fini? Non, je n'ai pas fini. Non, allez-y. Bon, c'est bon, il peut parler. Hein. Continue. Non, il faut parler de Fatoumata aussi. Fatoumata. Voilà, Simple Gawa. Fatoumata,
Ok. En même temps, on peut vous poser la question sur ces chiffres-là. On aimerait bien voir leur site web, sinon le département. Quelle question, je dis, monsieur Diallo. Non. On aimerait bien voir leurs chiffres d'affaires de façon officielle, comme dans les autres pays. Tu parles de monsieur Diallo. Google, par exemple, toutes les entreprises qui sont officiellement là, vous voyez leurs chiffres d'affaires et puis vous savez comment ça évolue. Ça existe, ça? Quelle question? Sois précis, qui? Monsieur Gallo ou qui? Les entreprises. Et alors? D'accord, très bien. D'abord, je ne commence pas, monsieur Gallo. Venez me poser la question sur monsieur Gallo. Qui il est? C'est aussi simple, après, on passe au jour. Je ne commence pas, lui. Voilà, et puis, contrairement à toi qui es à Bronx, en train de draguer Bella, il est à Mamou, il a même demandé. Il a même dit, c'est le Gawa, que même si on donne 10 ans, et un visa de 10 ans, oui. 10 ans aux États-Unis, mais le monsieur est une fierté pour moi. Et heureusement, j'ai fait des vidéos, sûrement vous l'avez vu. Je demande au président moi, de l'aider. Et j'apprends que, oui, avant la vidéo, le président l'aidait. Il y a mon frère Amidou Barry, qui est une fierté à l'abbé. Il rafle des prix dans la sous-région. Des prix. Il y a même, je crois, un mois, il a raflé un autre prix à Abidjan. Vous êtes assis en Belgique. Moi, je suis aux États-Unis en train de vendre. Le monsieur est au pays. Lui, il s'en fout s'il n'y a pas de couleur, s'il n'y a pas d'eau, mais il se débrouille avec ça. Beaucoup de jours de Guinée sont rentrés. Beaucoup. Et vous dites, ah, j'entends encore quand dans des débats, je peux pas, une autre fois quelque part. Je ne peux pas investir 70 millions en Guinée. Quoique, lui, c'est lui qui est là. 70 millions. Et son petit frère, M. Gallo, a investi 36 millions. À Mamou, chérie, 2022, il a 150 millions de dollars, et de francs guinéens. Juste ça, c'était la première expérience. Et en 2023, il a triplé. Il a demandé à Korka et à Asma de rentrer. Qu'il a de l'emploi pour eux. Pour eux, passer tout leur temps dans le taxi. Il dit, venez, j'ai de l'emploi à Mamou. Ceux qui prennent la Méditerranée, arrêtez. Venez à Mamou, j'ai de l'emploi, je vous loge. Ceux qui sont dans des cafés à Conakry, ils disent, venez ici. Ari Mamou. Arga. Arga, Golden Nodo. Arga. Eh, mais c'est une fierté. Beaucoup de Gallo comme ça, de ce monsieur Gallo, sont en Guinée aujourd'hui. Alors, donner les statistiques avec les sources. Bon, là, on va car. On va se jouer. Donne les statistiques avec les sources fiables. C'est quoi le chiffre d'affaires? Quand un intellectuel parle, il parle avec des preuves tangibles et palpables. Laissez-moi vous répondre. Plus de 2 hectares. Voilà, pas plus de 2 hectares, mais il fait. D'accord, je vais sur ta logique. Dans ta logique, hein. Tu dis qu'il n'a même pas plus de. Écoutez-moi, Asma. Korka, écoutez, hein. Il dit qu'il n'a même pas plus de 2 hectares. Moi, j'ai regardé le gars. Asma, attends-moi, s'il te plaît, tu as raison. Il n'a même pas d'hectares. Il n'a même pas d'hectares. Mais au moins, Asma, Korka, il fait vivre une quinzaine de villages. Une quinzaine de villages qui dépendent de lui. Il emploie plus de 15 femmes. Nous, on ne parle pas de lui, on parle de l'État. Non, c'est lui qui m'a. Non, c'est lui qui a dit qu'il n'a même pas. Il faut recentrer le débat. C'est qui me fait rire. Voilà. Non, Prestige, j'entends seulement. Chérie, il faut fermer leur micro. Laissez mon grand parler. Il y a grand information fiable, Maï. Non, vous faites nous, on vous sort le factuel. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, mal information de l'ANDB à Kossi. Néobin, ministre Nangrefe et tout, le centre de perfectionnement technique des automobiles qui est à Hamdallah, la construction qui est en cours, 40 000 tonnes, entrepôt nantifié, l'installation des travaux publics au niveau de Coléa, domaine spolié. Yimba ya bouji meni. Nen affaire bi netivé, complexe textile de Sanoya. Ah mais dis donc, comment on est sur Roma?
après des milliers d'accidents au centre technique d'automobile. Mais lui au moins il est en train de faire. Prestige. C'est qu'il lui au moins truc. Il est en train de faire ça. On dit à maintenant, de pour les paniers là, pour les paniers, pour les asthmas et tout ça, si c'est passé lui. On a un fois qu'on aura réformé fini au Bérané. Parce que c'est la continuité, mon frère. Ça, attends. Chérie Coco, chérie, quand je te vois pas, non mais la femme, moi c'est pas bon. C'est vous qui demandez la preuve. Je vous donne la preuve, hein. Mettez-moi en grand. Je vous donne la preuve, si vous voulez. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Je vous mets la preuve. La preuve, c'est quoi? Quand tu la vois pas, la preuve de visite de terrain qui a été faite par le ministre. Visite de terrain. Non, je ne parle pas de visite, je parle du chiffre d'affaires. C'est mon aoudé, m'a fait Simandou Kobiri Domfera. M'a fait Simandou Kobiri Mounyefera. C'est ça, visite de terrain, c'est fini. Voici le plan, voici le plan ici. Voici le plan, ce n'est même pas réalité. Au projet, il y a une construction d'un hangar à Hamdallaï. Voilà tout. Voilà, Fanny qui a insulté son pays en allant prendre le passeport. Maintenant, Fanny Beki. Vous pouvez lire ça si vous voulez. Vous pouvez lire ça si vous voulez. Voilà. Il a insulté son pays, Fanny. Dans les principales industries de la ville de Conakry, accompagné par le ministre. Le ministre chargé de l'industrie et du président de la Chambre de commerce et d'industrie. Le chef du gouvernement a échangé avec les acteurs et tout. Parmi les sites figure le centre de perfectionnement technique automobile à Hamdallaï, où sont en cours de construction des entrepôts de 40 000 tonnes et les anciennes installations des travaux publics de Koléa, domaine spolié auparavant à Yimbaya Bouji, et l'ancien complexe de textile de Sanoya, ainsi que l'ancienne entreprise nationale de tabac Antag. Voilà, merci. Wow. C'est fini. Asma. Ben moi je. Il m'a dit qu'il fallait mais alors Asma. 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 Il a insulté son passeport. Il a insulté son passeport. De Doumbouya, sa femme est française aussi. Quel est Nara? Alpha Condé est français. Doumbouya n'a pas de passeport. Abi, c'est européen. Doumbouya n'a pas de passeport français. Il a été légalisé pour faire partie de la Légion. Passeport français, mais il n'a pas de passeport. C'est pas vrai. Mamadi Doumbouya est marié à une Française, mon frère. Doumbouya n'a jamais accepté de prendre le passeport français. Jamais. Tu as la preuve? Voilà. Doumbouya n'a pas été légionnaire. Il ne peut pas faire la Légion. Il n'en veut pas. Tu as la preuve? La preuve, voilà, je vais te répondre. Donc le premier d'abord
insulté le passeport guinéen, c'est Mamadi Doumbouya et Alpha Condé. Donc si tu dis ça. Très. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, maintenant je peux. Mamadi Doumbouya est marié à une Française. Et à la maman qui est enfant, est un Algérien. Il a tout le droit d'avoir le passeport français. Prestige, ça tu es hors sujet. Attendez. Doumbouya n'a jamais pris le passeport français. Il n'a jamais pris. Preuve sur Mounira. Maintenant. Moutane, vous preuve à Falama. Et puis j'ai fait deux vidéos. Bientôt on va falloir bien. Je vous préviens, c'est une information très très capitale. La mienne est là, c'est une information très très capitale. Bientôt. Simple Gawa. Oui. J'ai fait deux vidéos. Le président m'a appelé sur la mascotte. En personne. Quand j'ai vu le numéro, c'est écrit président sur la mascotte. J'ai fait deux vidéos sur les zones de la mascotte. Excusez-moi, j'ai des clients. Moi, j'aurais bien posé la question à Sarumati qui me parlait de Sonoco, des entreprises là. J'aimerais bien lui demander les chiffres d'affaires de ces entreprises-là. D'accord, on va te donner les chiffres. Grand, je voulais donner l'information là, c'est très très capital. C'est pour vous sensibiliser, c'est capital. Vas-y. Aujourd'hui, formation capitale, aujourd'hui on a fini avec les pourparlers avec la délégation de la Sierra Leone pour le deuxième backbone qui doit être mis en place. Donc, connectivité, tout. C'est très important. Écoute-moi, c'est très important. Tu parles d'une république, hein? Je parle de prestige. Il faut dire à comment on l'appelle. C'est très important. On fait une rébine avec ma Facebook, moi, sur ton nom. De 2010 à 2017. Bientôt, fait, sécurisé. Rio à Colomb, il a fait une visibilité de la barre, connexion, c'est même un réseau social. Wande Barade, c'est tout ce que je peux vous dire. Merci. Temple Gawa. Je te fais un anecdote aujourd'hui. Au projet, même le gouvernement a commencé à prendre des mesures sérieuses. J'ai vu Baouri prendre parce que à Gaoui, à Colomb, décembre, il n'a rien fait. Il y en a qui l'ont fait. Non, il est fourré dans cette fée. C'est pour Gawa. J'écoute la question, allez-y. Non, c'est pas une question, je veux te faire juste. Je veux te faire part de quelque chose. Les intimidations, on n'a pas peur. Entre 2010 jusqu'en 2017, je t'ai dit, il n'y a pas un jour où je n'ai pas regardé le journal officiel de la République de Guinée. Si je te cite des tonnes de projets qui étaient en cours à Guinée pendant cette période-là, et Guimane. Donc, nous, les trucs, ça ne nous dit absolument rien, quoi. Peut-être que ça te dit, d'accord. Bon, écoute,
Écoute, ça t'a rien apporté, d'accord? Dans un journal Mato Kayama, Fenende n'a pas fait la journal qui n'a pas réalisé, n'a pas réalisé, n'a pas en cours, m'a nettoyé. Allô, Moussé. Allô, Moussé. Allô, Woto Dao Beto. Et t'as fait la Robert, Aravek Parafolo. Ravek, Wato, on est Wam RNK, en Arabafi. Nato, on est journal Manato, on est en Arabafi. Woto Dao Beto, Wam FE, la Guinée Guilherme. Hôpital n'a rien été fait, école n'a rien inauguré fait. Nalla manu arabanu, nebara raba, nana fra fête les matos fément. Yéla rana dim fait la Guinée ma. Non, en fait, quand tu me dis, en fait, quand Fanny me dit que lui il a regardé les journaux et tout ce qui dit bien a été fait, mais ça n'a pas de sens. Yéla rana dim fait la Guinée ma. Yéla rana la Guinée ra, tu n'es pas informé. Si tu n'es pas informé, yéla rana dim fait la Guinée ra, il y a une mesure qui a été mise en place. Avec l'ANJIP, je ne sais pas si c'est comme ça on appelle même, des trucs, des catastrophes là, en collaboration directement avec le ministre de la Sécurité et de l'Urbanisme, le MATD. Bangui n'a rien dit, Thierry. Ah voilà. Bangui, voilà. Bangui n'a rien dit, Thierry. Feignarima, c'est un écran, et il y a un peu de temps, et il y a un peu de temps. Mais il n'a rien fait, toro y a un peu de temps, il y a un impact, il y a un peu de temps, et il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. On a badé, ça refait, on a dit. On lui est poussé. Laisse-le. Pourquoi mon enflamme? La comédie, la kidou, la telle. Non, il n'y a pas de comédie. Moi, tout ce que je regarde, en fait, je vois. Si toi, à ton temps, quand tu regardes, ce n'est pas réalisé. Simandou, comédie, Tongo, Féon, Saba, des Sarawis. Le projet de Simandou est très capital pour la Guinée. Je vous dis ça aujourd'hui. J'ai une question pour toi. L'ami m'a côté, Tongo, à côté, lui, il a qu'il est roumain. Et t'as maman, maintenant, côté, il a mon Tongo, Féon, de Roumain. Camion, l'ami Baragi. Quel mouillirago, on a un problème de ma belle. Quel mouillir. Mouta attaqué, il est. Voilà, il faut rappeler encore quelque chose, c'est très important. Toto, Mouina n'a bien impacté. Caporo nous qui paye, n'a rien de guerre piémeni. Et voilà, Cataglia, il n'ira doua. Mouina impacté, oui, quarantine naki. Au décuit. Oui, logement social, Mambaratine. On a pu faire l'inauguration du côté de Mambaratine. Mengeyatagi. Non, mais écoute, moi je te donne, il y a une voyage pour l'entrée. Akolo, on a un voyage sur qui il se plaît dans ça. Mais ce que je vais leur dire, quand je les écoutais, moi je ne suis pas dans une critique négativiste. Une critique constructive. Il faut qu'on écoute ce qu'on dit. Ok, Moubara a bien ça rectifié. Maintenant, valeur la misère. Vous parlez d'insécurité et vous défendez l'insécurité. Je t'entendais parler. Quand on parle d'investissement et d'insécurité, on fait référence au risque aujourd'hui et qu'on fait référence aux petites et moyennes entreprises. J'écoutais Damfo, Anbilbilfa, Bigbira, Nana Moutiwa, Ntongode. Rio Tinto nous laboré, on en est rafait avec Bimatou légalement. On perd beaucoup de valeur sur ces entreprises que ce qu'on reçoit. On n'attend pas Colomb. Non. Est-ce que vous voyez? Ces entreprises, il y a. Mouma Colomb, ça mouille. La Guinée est au Maboxi Traminal, au Mapoua Colomb, Fan Sochine. Ah, ok. Mais est-ce que tu étais informé? Est-ce que tu étais informé aujourd'hui? Non, il faut qu'on soit réaliste. Il faut pas. Mais maintenant, est-ce que tu es informé qu'il y a eu. Comment on appelle ça? L'entrevue qui a été faite pour la convention du prix référencé des mines et des bauxites qui quittent la Guinée. Est-ce que tu connais? Mais toi, tu me parles de convention. Moi, je te parle de fait. Oui, maintenant, le prix, il est référencé. C'est ça la différence. Non, mais en fait, on nous critique là-bas. Moi, je veux qu'on sorte même des mines. Allons-y aux petites et moyennes entreprises, par exemple. Oui, les petites et moyennes entreprises, oui. Allons-y, je t'écoute. Oui, parlons des taux. Regarde. Récemment, on a vu des plantations brûler dans le pays, là. Ça a existé ou bien ça n'a pas existé?
Mais je te demande, tu es là? Oui, je suis là, je t'écoute, allez. Il n'a pas de reproche. La mine baraque. Quand même, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas nier. Il y a tant d'autres exemples. Moi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui veulent investir. Même la dernière fois, la machine est en train de brûler. Elle est victime quand même. Tu es dans ce monde. Mais si la plantation brûle, et après? Et le cas qui est brûlé. Tu vois, tu vois, c'est de l'investissement privé. L'investissement privé, la ville politicienne, Lara. Mais la ville, à Marmagne. Lara, pas à ma fête. Asma. Il t'a dit à répondre à la et alors, et après, Asma, il s'ouvre à la ville. Asma, il s'ouvre à la ville. Et à la sombre de Pia. Comme il boit là, na aga guinéra, aga guinéra il boit. Parce que il t'a offert un talent familier. Tu vois là tout. Asma, il nous gagne au moins pas des mecs. Je vais te parler des chantiers qui ont été mis en place pour la promotion. Il faut un chantier, Lula. Et la sécurisation. Mais tu fais dans sa montagne, Baba, qui est où pour le faire, mon mec? Ah, voilà, rien où il a pour la route. Simple gars, on va le système qui, système magaro. Eh, non, il va la route. Il va la rare le cala. Il va la rare le cala. Non, mon père, jugez-moi, Golan, en perspective. Fais-le en barraba, non, en jugez-moi. Voilà. Là, ok, Abba, il t'a dit, c'est bon. Fais-le en barraba, fais-le en barraba. Nous voulons des produits finis. Hein? Produits finis, voilà. Voilà, effectivement. On veut des produits finis. Ben, dire qu'à court de réalisation, première pierre, nous on ne veut pas entendre ça. Parce que Alpha, à son temps, Lamine, la réponse de ça c'est très simple. Lamine, et on m'a fait un homme à la rampe à réaliser ça. Ah oui, attends, fais-moi moi réaliser ça. Moi, t'as un people d'appeler un peu là-bas. Est-ce que au phare, il attend un homme? Merci donc. Ah, 30 ans là-bas. Ah, 30 ans là-bas. Ah, 30 ans là-bas. Ah, 30 ans là-bas. Ah, 30 ans exemple. C'est couturé. La Guinée, Menguea, pendant 30 ans. Abara 26 ans arrondi, 30 ans moi. Président de la République, il n'y a pas 30 ans dans la Guinée, Bela. C'est couturé. Dans une photo, il y a un profil. Il y a 30 ans de service là-bas. Il y a un contrat pour la Moumeba. Il y a un bar au bout de ces 30 ans. Non mais attends, Fanny, toi tu parles au fait, tu te contrôles en même temps. Tu dis que, Fanny, tu dis que quand tu as besoin de quelque chose qui est réalisable, au fait, du factuel, ce qu'on a réalisé, tu vois, non? Maintenant, si vous voulez qu'on réalise ce qu'on a déjà mis en place là, il faut nous laisser le temps. Vous dites encore ici, attends, écoute, tu dis, vous avez dit encore qu'on n'est pas venu pour ça. Vous avez dit qu'on n'est pas venu pour ça. Mais vu que vous avez dit qu'on n'est pas venu pour ça, et maintenant c'est vous-même encore qui recommandez encore. Je ne comprends pas ce que vous voulez. Simple Gawa, ce que j'ai constaté, après 3 ans, je n'ai vu que des gens qui ont acheté des buildings, quelqu'un qui n'a été que juste 2 ans à la tête d'une direction, s'est acheté une villa aux États-Unis à hauteur de d'accord, c'est ça seulement que tu as vu. Tu n'as pas vu après ces 3 ans-là les écoles qui ont été construites? J'aime ça. Tu n'as pas vu... Attends, moi je te donne les trucs en fait, après tu vas recharger. Donc après les 3 ans, tu n'as pas vu aussi la construction de la pharmacie, la pharmacie générale au niveau de Mamou?
La parole du général. C'est pour Menga. Simple Gawa. Moi, je parle. Est-ce que Menga Saïra Wali dans la pharmacie, tu fais là? Ah, mais oui, parce que faut détaquer, il faut détaquer, il faut médicaments, mais nous, nous sommes confinés. Il y a tout le monde. Pharmacie. Menga Saïra Wali dans la. Oui, Menga Saïra Wali dans la. Alors, c'est un peu un soldé. Simple Gawa. Attends. Est-ce que tu connais les statistiques de l'enseignement secondaire? Il a Sénégal Nena qui m'engage sa pharmacie mon tire. Prestige, un instant pour moi. Pharmacie, il y a une pharmacie. Si tu parles de quoi comme ça, Prestige. Bella, m'engage ça et la pharmacie de la pharmacie. Tu m'étonnes trop, Prestige. Il a la pharmacie centrale de Guinée. La pharmacie centrale est là pour avisionner et provisionner. La pharmacie centrale est là pour approvisionner les pharmacies, les petites pharmacies. Qui veille à la régulation de ça? Pourquoi? Très bien, chercher autre chose. Mais dire que Menga Saïra Pharmacie. Mais c'est l'État qui est en train de construire ça. Du côté de Mamou. Pour faciliter l'approvisionnement dans les autres régions aussi. L'État joue le rôle de régulateur. Mais l'État n'est pas marchand. Non, mais attends. Monsieur Prestige, dites-moi. La pharmacie centrale, là, ça, c'est pas l'État qui gère? Attends. D'ailleurs, Prestige, il y a des structures privées qui vont prendre des produits au niveau de la pharmacie centrale. En même temps, la pharmacie centrale, mais vous laisse-moi, même avant vous informer. Prestige, faut dire là-bas. Même le soleil qui brille à Guinée, ça a très bien. Vous avez un coupon pour la minute, vous avez un bayat, tu m'as tombé la main à la fée. Il y a des millions de personnes qui nous écoutent ici. Petit mounamé, randamé, nous n'a pas la monnaie. Simple Gawa. Ou kata, la Guinée rame. Ok, maintenant, Fanny. Simple Gawa. Fanny, il va le voir, on va mettre il va le faire. Allo, et à la petit mouname, rana.
Ok, maintenant, quel est le rôle? Parce que attendez, c'est quoi le rôle de l'État? Une équipe qui est là à illuminer. Illuminer quoi? Vous illuminez quoi, prestige? Les ténèbres. Mais il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a pas de ténèbres à Guinée, à ce que je sache. Les ténèbres posées par le CNRD. Mais Ada, prestige. Est-ce que vous savez qu'actuellement, le camp Samori, la rénovation de l'hôpital là, des mondialistes, des militaires, le camp Samori, après 3 ans. Ah, merci. Merci. Est-ce que vous savez aussi actuellement, du côté de Sino? Namou opéré ma bé. Non, mais moi, t'as une réalisation, non, mais 3 ans de réalisation. Parlons des infrastructures. Voilà. La Guinée actuellement a 6432 de routes nationales. Plus de 6432 kilomètres de routes nationales. J'ai pas compris. Tu parles de quoi comme ça? Je te dis, quand moi je parle avec des chiffres. C'est simple. Si, quand je prends les infrastructures, prenons les routes. La Guinée a un réseau routier en termes de route nationale de 6432 kilomètres. Mais quand tu parles de route nationale, attends, tu parles de route bitumée ou non bitumée? Laisse-moi finir, mais j'ai répété la phrase là 3 fois, tu me coupes encore. Non, je demande, c'est des routes bitumées ou non bitumées? Ce que j'ai à dire derrière ça, je vais finir. C'est quand j'ai fini, après tu vas te poser des questions. Je répète encore. Oui. Le réseau routier en Guinée, nous avons 6432 kilomètres. Construit ou bien non construit? Ce que nous avons. Voilà, il faut expliquer comme ça, on ne va aller pas à pas. Exactement. Et là. Non, il faut expliquer dans le mouvement, parce que moi, on est dans le cadre. Laisse-moi finir. Combien d'infrastructures on a en termes d'école primaire, en termes d'école secondaire et en termes d'université? Et quel est le taux de scolarisation? En telle année, l'État a construit tel nombre d'écoles. Regardez le pourcentage. Il faut voir. Donc, nous avons un débat avec l'Iral. Je reprends encore. On prend l'infrastructure routière. Prestige Amico Balambé, toujours des gens comme ça là.
Je vais vous parler de démocratie. Ah, dis donc, et vous régler ça, c'est simple ça. Non, un micro balari, moi, un fier micro balari, qui m'a serré télé, mais ça, ouais. Exact, voilà. Continue. Je continue, hein. On est dans l'infrastructure routière. Voilà. J'ai dit, on a 6432 km en Guinée. Les routes secondaires et les routes rurales, nous avons 15 295, si je ne me trompe pas de chiffres, je vais encore regarder. Faut regarder avant de passer, faut regarder. Je vais regarder ça après. Non, faut regarder, à la baie, faut regarder. Laisse-moi finir. Selon vos dires, pendant 3 ans, vous avez réalisé, selon certains, 2000 km. Selon moi, mes recherches. Selon qui? Selon votre Oudi premier. Vous avez réalisé. Ah, merci. Voilà, merci. Selon votre ministre. Selon votre ministre de la Défense sur Facebook. L'autre là, comment il s'appelle le jeune qui était au niveau du ministère du territoire. Ndelaki. Ça vous avez rien à dire. Non, selon vous, vous avez réalisé. Comment on l'appelle? Nous ne sommes pas des bébés ici, nous sommes tous des intellectuels ici. Donc on a besoin de ce que le gouvernement en place a écrit. Il a un mouffin de Bobora. Quoi? Il a un micro à vie, Maneko. Fanny est allé, il y a un doux, mais il est tout à fait C'est ça. Ça a été toujours ça. C'est normal. Et dans la ramène tout le monde, il y a un ramène à mon nez, il ramène à mon nez, il ramène à mes jeunes. On s'y a débat bêtement, comme ça après, on verra ça. Moi j'ai besoin du chiffre exact de ce que tu as dit concernant les infrastructures routières en Guinée-Conakry. Je veux avoir toi ton chiffre que tu as comme recherche. On verra ce débat. Tu ne peux pas parler. Parce que tout est des contre-vérités.
C'est ça. Voilà. Ok, madame, excuse-moi. Je l'accepte. Oui. J'ai une question pour toi, là.